Tu vois là, ça ne se cache pas trop avec la boxe. Non, c'est parfait là. Vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve avec Elisa. Coucou! Pour une nouvelle vidéo, vous nous avez posé des questions sur Instagram et du coup on va y répondre. Et j'ai trop hâte, c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je crois. Ouais, c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne. Non. Truc de loup, je fais pas la dernière. Pas la dernière. Bref, du coup, si vous voulez voir la suite, bah, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Première question. Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, c'était à une soirée, donc c'était grâce à Thomas. Thomas, copain de Maya. Exactement. En janvier 2016. Exactement. Donc il y avait un ami qui faisait une soirée. Et du coup, on y était, on s'est rentrés là-bas. Ouais. Et Thomas, il m'a dit, ouais, je vais ramener trois copines et tout. J'avais très bien excité parce que c'était des meufs trop fraîches de Insta. Et là, c'était le genre de meufs qui allaient être sur Balise et tout. Et moi, j'étais là, genre. Quoi? Plus jeune. Et du coup, je suis en mode genre, ah ok, moi je pensais trop à être genre, tu sais, des filles trop belles, méchantes et tout. Et elles sont arrivées et on est directement collées. Ouais, genre, vraiment, genre, truc de ouf, on a grave collé. Non, mais tu sais ce qui nous a rapproché? Quoi? Le nouvel an? Non. Quoi? C'était pas l'organisation de mes 18 ans? Fin 2017, début 2010, le 6 c'est ouais, grave, c'est un ouf. Qui se rappelle les 18 ans? Ouais. J'ai fêté mes 18 ans. Oh là là. Et j'étais venue avec Paola. Et je crois que vous étiez pas encore potes de ouf, non? Enfin, genre, vous connaissez pas plus que ça? Non, avec Paola. Non, au début, je pouvais pas m'en voir. En plus, elle avait perdu son téléphone. Ouais, oh, c'était un mess. Ouais, je me souviens, j'étais allée, je connaissais genre 3 personnes là-bas. Ouais. Et normalement, genre, je suis trop gênée au truc que je connais pas. En fait, je suis hyper. Je suis pas timide, mais je suis réservée. Si quelqu'un vient envers toi pour parler, etc., genre, t'es grave ouverte, etc., voilà. Mais toi, de ton plein gré, tu vas jamais aller, je vais voir quelqu'un, je suis trop stressée. Ah ouais, pas du tout. Et bah, du coup, ton anniversaire, je me sentais grave à l'aise. Genre, tous tes potes et tout, ouais, comme si personne. Comme si, genre. Même tes parents et tout, genre, tes parents, je t'avais à discuter et tout, genre, alors qu'aucun rapport, genre. Et ma soeur, tu vois, c'était bien. Et ton père et tout, ça m'a ouais, c'est pas tant. Ouais, voilà. Ça date un petit peu. C'est fou que le soir même, on a pris des billets pour aller à un concert. Ouais, vraiment de ouf. Qui fait ça? Personne. Qui fait ça? Il y a personne. En plus, moi, dans ma tête, vraiment, je me suis pas dit, genre, ah, c'est bizarre. Genre, vraiment, je me dis, ah, c'est trop bien, trop cool. Et tout, on avait trois, tu vois, non, ouais. Justin une sortie nouvelle. On était vraiment pas genre des Baby Bird ou de ouf. Vraiment, j'étais pas fan. On écoutait, genre, et depuis, on a fait plein de concerts ensemble. Grave. On a fait DJ Snake, on a fait genre 4 fois DJ Snake ensemble. Ouais. Zara Larsson, Madonna, Justin Bieber, Jason Derulo, Britney Spears. En bref, on en a fait tellement. On a fait ça, on a fait plein. Après, la mission sur festival. Oh là là, tellement fait. J'ai l'impression qu'ils ont présenté l'autre. Ok, tu commences. Alors, Elisa, 20 ans, en école de commerce et en alternance. Elle finit ses études, elle continue ses études, c'est très bien. Restée à l'école. Elle est anglaise, française, algérienne. Elle a une grande sœur qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. On dirait des jumelles. C'est un truc de. Vraiment, j'ai jamais vu autant de sœurs ou frères qui se ressemblaient à un grand. Je trouve qu'il n'y a aucun rapport avec ma sœur. Elle se ressemble comme deux gouttes d'eau. Très sérieuse, joie de vivre, très bonne copine, très loyale, très loyale. Meilleur conseil à donner, c'est cette fille-là. Bon, elle sait pas trop bien cuisiner, mais elle s'en sort. En confinement, elle a plus les cours, elle s'en sort. Elle s'habille très bien, elle a des bons goûts musicaux. Elle répond jamais au téléphone. Elle dort beaucoup. Mais genre, tu sais, les matins, quand moi je me lève plus tôt et tout, genre, elle va être là, elle va se lever et tout, même si elle a moitié endormie, genre, elle va être là pour faire la journée avec moi au lieu de genre de dormir pendant 10 ans. Et elle est née le jour de Noël. Ah ouais? Elle est très importante. Ben, c'est moi. Salut. Elle est trop jolie, elle veut pas aller très bien. Ok, à moi. Alors, Clara, 20 ans, bientôt 21 ans, créatrice de contenu. Ça me tue, ça me rend. C'est horrible. Clara adore cuisiner, elle cuisine super bien. Si un jour vous avez l'occasion de goûter le plat de Clara, vous allez adorer, parce que vraiment, elle cuisine trop bien. Vraiment, c'est un truc de ouf. Maniaque cette fille. Toujours là, quoi qu'il arrive. 1h du matin, 4h du matin, 17h, toujours là. Quoi qu'il arrive, répond toujours au téléphone, quelle que soit l'heure. Toujours là pour t'écouter, pour te conseiller. Elle veut le bien de tous ses proches, elle veut la réussite de tout le monde. Il y a des personnes, même envers les gens qui aiment, il y aura un petit peu de vice, un peu de concurrence, un peu de jalousie. Et ben ça, c'est quelque chose que Clara ne connaît pas. Je sais que si vous avez votre meilleure amie qui est là en mode ah, moi je préfère cette tenue alors que la première tenue était beaucoup plus belle juste pour vous dévaloriser à côté d'elle, frère, change. Ouais. Moi, je sais pas ça, mais genre, moi, j'ai les copines, elles soient boum, yes, elles soient. Changer de copine. Voilà. C'est une fille vraiment 10 sur 10. 10 sur 10. Oh, trop kiffé là. Vraiment, elle est une mère avec ton corps.
Est-ce que vous avez un rituel? On en a mille. Et moi, j'ai le premier qui me vient en tête. On rentrait de soirée ou pas de soirée. Ok, bah, c'est lui qui vient en tête aussi. Et bah, on se commande des pizzas ou genre des tacos ou des trucs comme ça. Et on se posait dans le lit et on met soit Joséphine Ange Gardien, soit Camping Paradis. Oh, c'est trop bien. Et on vraiment, j'adore. Alors, toutes les séries derrière, vous pouvez les assouler dessus, mais j'adore être tout doux. Mais surtout quand vous rentrez, il est 4, 5, 6 heures du matin, vous avez une pizza, Joséphine Ange Gardien, au Camping Paradis. Et on est là dans le lit, et on se démaquille, on fait notre night routine et on fait tous les débris. Ouais, toujours. Ça fait longtemps qu'on va venir. Ouais. Mais c'est trop bien. Ouais. Votre plus gros fou rire. Ah, j'ai une petite idée. Est-ce qu'on peut expliquer ou c'est hardcore? Non, bah, ok, c'est hardcore. Mais je dirais que le plus gros fou rire, c'est généralement. C'est des dates foireux déguisants, en fait, ça se transforme en fou rire. Donc, exactement. Genre, une fois, elle était en date, elle était près de chez moi, elle m'a appelé pour que je descende, des trucs comme ça. On a un autre, elle voulait pas me lâcher. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Elle était au café comme ça, avec son date. C'est horrible. Et moi, j'étais au café, elle tape derrière, genre, et je pouvais pas partir et tout. Et elle m'a dit, Clara, s'il te plaît, je pense plus, c'est une catastrophe et tout. C'était vraiment une catastrophe son date. Et du coup, j'étais là, genre, je suis venue et tout, j'ai fait, non, on peut y aller et tout, genre. Comme dans les films. Est-ce que vous vous ressemblez mentalement? Moi je trouve que de ouf. Ouais. De ouf. Ouais. De ouf. On est grave sur les mêmes valeurs, les mêmes principes, la même façon de penser. Principes, valeurs, ça c'est même façon de penser, respect, etc. Ça va être grave. On a des côtés un peu différents, donc encore heureux. Ce que vous aimez le plus et le moins chez l'autre? Moi c'est vrai qu'elles sont tout le temps trop organisées. Ça c'est tout le monde. Je commence par le. En fait, c'est bien d'être organisée. Mais elle n'avait pas organisé, genre elle est organisée. Cet été, par exemple, s'il y avait une réservation, parce qu'on était tous en Chine avec des amis, si elle avait une réservation de resto, je suis le genre de personne qui dit, je sais que c'est hyper relevant, je suis le genre de personne qui dit, oh les gars, il reste à 19h, faut que vous soyez tous prêts à 19h. Genre, pour moi, j'ai une heure dans ma tête, 19h, j'ai mon téléphone chargé à 100%, je suis prête, je n'ai personne en retard et tout. C'est bien, meuf, c'est bien. J'attendais, ouais, mais après, faut c'est bien. Mais voilà, c'est ça, le truc, c'est que tu vois, en vacances, tu ne veux pas être comme ça. Et moi, j'étais en mode 19h10, ils disaient, ouais, ils avaient du sable encore dans les cheveux. J'étais là, genre, qui reste dans sa ligne, et tout, plus chaud. Et ils sont en mode, on s'en fout, c'est les vacances et tout. Voilà, ça, c'est un truc où clairement, on est totalement différente. C'est que moi, je suis toujours en retard. C'est hyper problématique. Le truc, c'est que là, elle est tellement amusée qu'à chaque fois que je suis en retard, je m'en veux tellement. Alors que, genre, je suis comme ça, tu vois. Mais je m'en veux tellement parce que j'ai l'impression d'avoir détruit, genre, tout son planning et tout, genre. Parce qu'elle, faut savoir, quand je lui dis on se rejoint à 18h, elle sait ce qui va se passer à 19h, à 20h, à 21h, à 21h15. Genre, il y a ce programme qui passe, il y a tout. Et tu sais, dans ma tête, parfois, au début, je me disais, je comprends pas ce qui se passe dans sa tête et tout, ça veut dire qu'elle s'en fout. Mais finalement, t'as appris que j'étais juste. Ouais, de ouf. Non, mais surtout, en plus, plus je grandis, plus je suis casanière, moins je vois le truc, moins je vois les gens. Donc, tu sais quoi, t'as raison, c'est à ces derniers moments, t'es là en mode, bon, on verra. Ouais, ma phrase préférée, on verra. Oh, j'adore cette phrase, vraiment. Non, mais c'est un jour que je disais d'Annalisa qu'elle dit, on verra. Lâcher l'affaire. Moi, le truc que j'aime le moins chez toi, que bon, parfois t'as retard, mais je le sais, parfois tu vas me faire un message, mais. C'est pas trop ça, tu vois. Non, juste parfois, juste quand je t'envoie des messages et je vois que tu mets des stories, genre, tu sais, ça peut paraître bête, je sais qu'elle ne fait pas exprès, c'est pas en mode elle l'a vu, elle me répond pas, c'est juste genre elle l'a pas vu, je me dis, mais moi je vois un Elisa sur mon téléphone, genre, je suis. Et je me dis, genre, ça c'est pas la même réaction, genre. Non, mais si, mais c'est juste que. Toi, tu fais pas gaffe. En fait, c'est vraiment, je fais pas gaffe. Genre, je vais avoir une notif et je vais débrouiller directement. Ouais, tu fais pas gaffe, hein. Ouais, tu fais pas gaffe. Le truc que j'aime le moins chez toi, c'est que quand on est énervé, Elisa me fait trop peur, genre. Et tu sais que c'est une des seules personnes, je pense, avec mes parents, genre, quand tu peux être énervé quoi avec tes potes, moi je suis hyper chill, hyper calme et tout. Quand on est énervé mutuellement, elle me fait trop peur. Elle me fait. Genre, vraiment, je lui parle pas, tellement elle me fait peur. Alors, je suis en mode, ok, vas-y, laisse-toi. Après, je suis de l'autre côté en mode, ah d'accord, elle parle pas. Ouais, et moi, je suis en mode, je vais la laisser se calmer et tout, parce qu'elle me fait trop peur. On dirait grave, en fait, c'est hyper peur. Donc, à croire qu'on a un coup, ça me lâchera avec des dictionnaires. Alors, le truc que j'aime le plus chez toi, ah oui, le truc que j'aime le plus. Moi, je dirais ta pureté. Genre, Elisa, c'est vraiment quelqu'un de pur à 1000%. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle ne sait même pas. Et tu sais, du coup, ça. Faut encore gêner la vie. Je veux dire quoi, mais bon, merci de te remercier. Moi, Clara, je vais dire, alors vraiment, Clara, c'est la fille la plus bienveillante, mais bienveillante vraiment dans tous les sens. Je crois que t'es déjà dit, mais tu veux le bien de vraiment tout ce que t'aimes, genre. Elle est bienveillante, genre, elle est tous bienveillante, mais bienveillante, genre. Bienveillante! C'est rare aujourd'hui les gens bienveillants comme ça. Il y a des gens qui font le droit d'être bienveillants. Elle, elle fait pas genre. Je trouve que c'est une qualité qu'on trouve plus chez nous, genre nos parents maintenant. Ouais, de ouf, tu vois. Vas-y. Est-ce qu'on a des choses sur lesquelles on a des désaccords?
J'ai l'impression qu'on est là par enfant ensemble, qu'on est en train de savoir qu'il y a tous des accords. Hein. En vrai, non. En vrai, franchement, on se rejoint tout le temps sur les mêmes avis et tout. Même quand des amis viennent nous demander des conseils, on répond à peu près souvent les mêmes choses et tout. Hein. Ouais, c'est ça. En vrai, on n'a pas de désaccord. Vraiment, les seuls désaccords qu'on a, juste genre sur les horaires, sur les plannings. Genre, c'est ça, exactement. Ah, mais on avait prévu ça et tout, ce week-end. Mais... genre, qu'est-ce que ça comme ça. Mais sinon, ouais. Et j'ai gardé cette question, c'est trop mignon. Une colocation. Bon, en vrai, Elisa et moi, on habite quasiment ensemble. Tout le temps ensemble. Ouais. Tout le temps ensemble, on habite tout le temps ensemble. Genre, sur un mois, on fait 15 jours ensemble. Ouais. Votre série préférée? Bah celle du confinement. Ouais, celle du confinement, Reine du Sud, c'est trop bien. Reine du Sud, on a... Et vous savez, tu sais que ça c'est grave une problématique. Genre moi tu regardes des séries, j'aime trop, je t'ai dit de regarder et tu regardes. Ouais. Genre c'est grave. Moi je regarde, toi tu regardes pas, je t'ai conseillé plein de films, plein de séries que t'as pas regardé. Tu vois The Game of the Murder, je t'ai conseillé le film The King, tu m'as dit ah je regarderai. Je vais regarder. Et je vois après mais des snaps où elle... ah j'ai commencé cette série, elle est trop bien. Et moi je me dis mais quoi. Non mais c'est une bonne copine, non mais juste... elle m'oublie parfois. Mais je suis tellement tête en l'air. Maintenant, je suis tête en l'air. Tête en l'air. Du coup, on a regardé la même film en même temps pendant le confinement. Et en fait, cette série, je l'ai conseillée à tout le monde. Et à peu Clara qui a regardé. C'est vraiment trop bien. Vraiment, je vous conseille la même film. Ouais, reine du chute de ouf. Avez-vous déjà été jalouse l'une de l'autre? Ça, c'est une question, je voulais pas la mettre parce que j'ai aucun intérêt, pas du tout. Tu sais que j'ai reçu beaucoup de fois hein, sur Insta sur la question. Ah ouais? Sur Insta question. Et je me suis dit, mais hein, si vous êtes jalouse. Les gens se rendent compte qu'on a de la chance quand même. De ouf. Mm-hmm. Parce que moi, avant, tu vois, j'ai déjà eu des copines où, genre, t'envies. Un petit peu, tu vas te dire, ah, c'est trop bien ce qui lui arrive et tout, mais comment ça. Et après, tu me remets sur toi, comment tu fais que des trucs comme ça, ça m'arrive pas, non et tout. Bref, c'était pas de la pure jalousie. Alors que, genre, Elisa, vraiment, il a le plus grand truc, genre, moi, je suis sa mère, je suis trop contente et tout, tu vois. Et si vous avez de la jalousie ou si vous ressentez, le pire, c'est quand vous ressentez la jalousie et que vous sentez et tout, il faut s'éloigner. C'est horrible, hein, mais c'est pas bon. Comment vous gérez les disputes? Moi, je gère pas, en fait. Déjà, on se dispute très rarement. Et quand on se dispute, c'est genre hardcore, on se parle pas pendant une semaine. Tu sais, comme on a tout le temps collé ensemble et tout, du coup, on est en mode, moi, je lui parle pas parce qu'elle fait trop peur. Et elle, elle me parle pas parce que. Mais moi, je pensais que tu m'arrives pas parce que t'en foutais. Non, juste, tu me fais trop peur. Et moi, je suis désolée, si on peur, tu fais trop peur. Tu fais tellement peur. T'avais déposé des preuves en bas de chez moi. J'avais dit un peu. Ah, même. Bah, en vrai, y'avait quoi, tu vois. Genre, j'étais comme ça, là. Tu sais ce qui m'a énervé, vrai. Comme. C'est que t'as mis des snaps où t'es sortie. Ouais, j'avais pas ça. Ah, moi j'étais en dépression, elle est sortie, genre. T'abuses de me dire que je suis sortie d'un, je suis allée dans l'appartement. T'as vu mon pote? Oui, t'as en soirée, alors qu'on s'est envoyé parce que tu m'as pas accompagnée voir. Oh, mais oula, oula, oula! Ça m'a déjà sorti un peu plus. Mais ça, vous pouvez. Oh, ça, vous pouvez. Bref, histoire. Mais la histoire, Claude. Mais ouais, quand on se dispute, après, je pense qu'on se laisse le temps un peu, tu vois. Mais en vrai, je me dis, ah là, est-ce que j'ai fait un truc de mal à toi? Après, j'ai trop honte, je veux même pas revenir. Enfin, tu sais, juste le temps. On se laisse une petite semaine après. Après, on est en mode coucou. Hey, Misco. Ah, Misco. C'est la question qui quitte la planète, mais avez-vous 1000% confiance en votre amitié? Totalement. Totalement. Je sais qu'elle n'a jamais rien sur moi, je n'ai jamais rien sur elle. Une confiance aveugle. Je sais que même quand elle ne me connaissait pas vraiment, elle prenait un peu ma défense. Tu sais, surtout à l'époque avec Clara Chanel et tout, tu vois. Mais, du coup, oui, on a 1000% confiance en elle. Genre, c'est un peu ce que je vais dire. Ça ne t'arrivera pas. Et si demain, Elisa, elle tue quelqu'un ou moi, je tue quelqu'un, c'est la seule personne qui sera sur cette planète et c'est la seule personne qui m'aidera, genre. Je sais même que tu vas courir. Je sais que peu importe où je suis, si quelqu'un parle de moi, Clara me défendra quand elle. Et vice versa. En fait, le truc, c'est que c'est un truc d'ouf, mais genre, tu sais, on a plus rien à se prouver. Ouais. Genre, juste on sait. Ouais, on sait. Et du coup, en plus, ça enlève un poids. Genre, c'est naturel, genre, t'as pas d'inquiétude. Mais c'est très naturel, t'as aucune inquiétude quand. Tu sais, parfois, quand tu la vois te rapprocher de d'autres gens, ou quand il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'inquiétude. On n'est pas tout le temps en train de se prouver que. Voilà. Coup de foudre amico, quoi. C'est bien trouvé. Et je vous souhaite à tous de trouver ça parce que c'est très pur. Moi, je sais que je peux avancer dans la vie du coup toute seule, juste si j'ai besoin d'Elisa et mon chien, et mes parents. Obi. Obi. Gros débat, elle aime pas mon chien. On va s'en remettre un jour. C'est la prochaine étape. Enfin bref, du coup, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et trop contente que vous. Trop contente qu'il te rencontre en vain, quoi. Oui, c'est trop. Qu'il te rencontre en vain. J'ai l'impression que je parle à mes parents, je présente à mon chien, quoi. Sur ce, on vous fait plein de bisous. Et on vous retrouve très vite.